Bonsoir Wendy. Bonsoir. Alors après ce match nul contre Cyril Belzacen, on le rappelle ce soir c'était dans les règles du K1, d'habitude voilà, tu t'excelles en Muay Thai. Est-ce que voilà c'est pas se mettre en difficulté, pourtant voilà t'es le promoteur, donc pourquoi avoir fait ce choix? Bah déjà bonsoir à tous Muay Thai TV, en fait ce qu'il y a c'est que moi je suis un homme de défi, j'aime bien me mettre des challenges, me mettre un peu en difficulté. Ce soir c'était le cas face à Cyril qui a l'habitude du kickboxing et du K1. Malgré tout, bon après la décision elle reste calée, mais malgré tout je me vois quand même un petit peu devant. Après c'est pas grave parce que voilà, ça fait 2 saisons que j'ai pas boxé avec les conditions d'organisation parce que j'ai aussi voilà, j'ai organisé ce soir. Je suis quand même satisfait parce que voilà, maintenant je reboxe dans un mois, donc c'était bien d'avoir des repères, voir où j'en suis. Bon, il y a quand même un petit peu de gras à perdre, mais on est là toujours. Oui, ben justement comme tu disais, t'es organisateur dans la soirée, de plus en plus le duel, ça prend de l'ampleur, il y a de plus en plus de monde. Et en plus ce soir tu remontes encore sur le ring, est-ce que c'est pas encore se mettre encore un peu plus de pression justement, est-ce qu'on n'a pas la tête partout? Ah c'est vrai, bah alors vraiment ouais, le mot il est juste, j'avais un peu la tête partout. Maintenant ce que j'ai essayé de mettre en place avec Duel c'est qu'on a grandi l'équipe, je délègue pas mal même si voilà j'ai toujours ce côté où je supervise un peu ce qui se passe. Mais voilà, Genmi qui est mon associé, aussi mon petit frère Julien, on gère ça d'une main de maître, en tout cas on essaye. On a intégré une fille dans l'équipe pour un peu féminiser tout ça, apporter cette petite touche que les hommes n'ont pas, en la personne de Zora. Et moi, je remercie mon équipe ce soir parce que ce qu'ils ont fait, malgré mon absence, c'est quand même fort. On a une belle salle de Carpentier ce soir. Donc, chapeau à eux en tout cas. Voilà. En tout cas, c'est une très belle réussite. Et justement, est-ce qu'il y aura un duel 4? Bien sûr, c'est déjà en écriture, on va dire. On est déjà en train de bosser dessus, malgré que ce soir, c'est duel 3. Mais... Le 4 et le 5 sont déjà en écriture, donc on est à fond dessus. Et on lâche rien en tout cas. Voilà. Duel n'a pas fini de faire parler du. On attend que ça en tout cas. Ben, félicitations à toi encore Wendy, et puis ben, à très vite et très bientôt. Un dernier petit mot quand même ce soir. Comme toute la famille du Muay Thai le sait, on a perdu à Madouba dernièrement. Je voulais lui dédier l'organisation de ce soir. Lui toucher un petit mot d'où il est, j'espère que Dieu l'accueillera au paradis comme il se doit. Et force à lui et courage à toute sa famille. Sache que personne t'oublie et on est tous avec toi. Merci encore Amadou. À bientôt mon ami. Beau message. En tout cas, merci beaucoup Wendy et puis à très bientôt. Merci Laetitia et prends soin de toi et ton petit ventre et de ta famille. Et moi aussi j'embrasse ma femme au passage avec nos enfants. Je vous aime de tout cœur et aussi c'est grâce à vous ce soir. Merci beaucoup.